Françoise Hardy. Vous avez l'air anxieuse et assez, disons, contractée en ce moment. Pourquoi? Oh ben, c'est bien facile à deviner. C'est évidemment parce que l'Olympia approche à grands pas. Voilà, l'Olympia, c'est la consécration. Vous n'êtes pas une fanatique quand même de la chanson du musical, j'ai l'impression. Ah, moi, ben, vous vous trompez bien, alors. Oui, vous avez un petit air là. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Là, c'est parce que je suis très fatiguée. Oui. Mais un an ou deux ans, et puis après, malgré tout, c'est pas un métier toute une vie pour une fille de 20 ans. De chanter? Oui. Oh, ça peut être un métier toute une vie. Il y a des gens qui n'ont fait que ça toute leur vie, mais je pense que maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que il y a de plus en plus de concurrence. Alors, il faut vraiment être très, très solide pour tenir. Et je ne crois pas que je sois très solide. Vous croyez que vous n'êtes pas très solide? Pourquoi alors? Oh, parce que je pense que j'ai eu beaucoup de chance, enfin. Ça repose pas sur... ça repose, si vous voulez, sur des chansons qui sont pas mal, mais enfin, c'est pas des chansons géniales. Ça repose aussi sur la publicité, peut-être? Oh, pas tellement la publicité. Faire sa carrière en un an, c'est quand même un petit peu rapide, arriver à être Françoise Hardy au bout d'un an, vous ne trouvez pas? Ah, moi, je trouve que c'est très rapide, c'est même trop rapide, parce que c'est pas en un an qu'on peut arriver à apprendre le métier, parce qu'avant, enfin, il y a deux ans, je ne chantais pas du tout. Il y a beaucoup de chanteurs, d'artistes qui, avant que ça marche, ont travaillé beaucoup sur les planches, dans les cabarets, des choses comme ça. Tandis que moi, jamais. Est-ce que c'est vous qui menez votre carrière ou est-ce que vous êtes tributaire des impresarios, des maisons de disques, des maisons d'édition qui vous forcent à faire telle ou telle chose? Oui, de toute façon, dès qu'on fait ce métier, on est toujours tributaire de ce que vous dites. Mais enfin, je crois que... malheureusement, heureusement, enfin, je suis un peu laissée à moi-même. Nous tous ici qui avons le même âge, nous vivons pour l'instant au jour le jour. Mais parfois on réfléchit davantage. Nos vies vont-elles prendre un autre tour? Si jusqu'à aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance, toi qui l'attends encore, toi sais-tu bien que d'un jour à l'autre, parfois soudain tout change. Qui peut savoir comment sera demain? Oui, nous tous qui avons. D'un instant, combien de temps cela va-t-il durer? Peut-être comme moi te demandes-tu souvent, que serais-je dans quelques années? Que serais-je dans quelques années? Que serais-je dans quelques années?